Il n'y a pas un autre nom qui sauve si ce n'est Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui sauve si ce n'est Jésus. Oh mon frère, oh ma soeur musulmane, Jésus t'aime. Matin, il nous envoie pour te dire qu'il t'aime. Il nous envoie pour te dire qu'il t'aime. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Le Dieu que tu pries. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Mais Jésus va changer ta vie. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie. Il va te donner l'amour. Avec Jésus, il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de bagarre. Avec Jésus, il n'y a plus de je vais prendre deux femmes. Je vais prendre trois femmes. Le Dieu là, c'est Dieu compris. Je te parle de Jésus. Lui, il est fidèle. Tu as ta femme, tu vas aimer ta femme. Tu n'as plus besoin d'aller prendre une femme, deux femmes encore, pour dire non, on dit qu'on peut faire ça. Non, bien aimé, ne fais pas ces choses. Jésus t'aime. Ce matin, tu nous vois, on a laissé nos maisons, on a tout laissé, pour venir te parler. C'est parce que Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il dit qu'il t'aime. Il veut te sauver. Donne-lui ta vie. Toi, mon frère musulman, toi, ma soeur musulman, Jésus t'aime. Il dit qu'il t'aime. Il veut te sauver. Viens à lui. Il n'y a plus de sacrifices de moutons. Il n'y a plus de sacrifices de bœufs. Tu vas plus dépasser ton argent dans les marabouts. Je ne parle pas de banque de protection. Je porte ces choses-là avec Jésus. Lui, il est le créateur. Lui, il est ton protecteur. Tu n'as plus besoin de ces choses. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Mon bien-aimé, c'est Jésus seul qui fait ces choses. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. On parle du Dieu puissant, le ressuscité, le Dieu vivant, celui qui t'a créé, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est de lui on parle. C'est lui Dieu. Jésus est Dieu. Et il t'aime. Il veut te sauver. Il dit qu'il t'aime. Viens à lui. N'a pas peur de tes parents. Pour dire si je viens à Jésus, ils vont me réunir. Oh, bien-aimé, il y a des gens comme toi qui ont accepté Jésus. Et ils vivent bien. Ils sont heureux. Ils voient la différence. Oh, Jésus, oh, c'est Dieu que tu adores. Jésus est Dieu. Jésus, enlève-toi. Parce qu'il est amour. Il s'appelle Jésus. Il a délivré des gens de l'homosexualité. Fais de la lesbienne pour les délivrer de l'alcool, de la cigarette, de la masturbation, de la pornographie. Ton Dieu que tu pries, il ne te dit pas ça, mais tu es dans les péchés. Mais Jésus, il va te nettoyer, il va t'enlever tout soin des péchés. Il s'appelle Jésus, il t'aime, c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Il va te sauver, il ne va pas te faire du mal, il va simplement te sauver. Viens expérimenter Jésus, et tu verras. Oh, Jésus est fort. Tu vas mourir là. Tu vas pas trouver plus porno au paradis là-bas. Jésus, quand tu meurs, tu l'acceptes et tu es sauvé. Tu es dans son paradis. Tu es comme un ange. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Bien aimé, on te parle d'un Dieu qui est vrai. On te parle d'un Dieu qui est puissant. N'aie pas peur de ta famille. N'aie pas peur d'accepter Jésus à cause de ta famille. Tu vas dire non. Pourquoi tu vas sur les pousses, Marie? Pourquoi tu vas. C'est Jésus seul là qui s'est sacrifié pour toi. Ça, il s'est sacrifié. Ton père n'était pas là. Ta mère n'était pas là. Personne n'était témoin. Il a voulu, c'est vrai, que tu sois dans cette famille. Mais c'est lui, ton créateur. Et si en ce jour, il décide d'arracher le sou de vie qui est en toi. Il ne va pas demander la permission de quelqu'un. Il ne va pas demander la permission de ton père. Il ne va pas demander la permission de ta femme. Il ne va pas demander la permission de ton époux. Mais il le fait. Parce qu'il est Dieu, effectivement. Parce que c'est lui le véritable. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui l'unique Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Ce matin, il veut que tu saches qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Ce matin, il veut que tu saches qu'il n'est pas dans les adorations que tu es en train de faire. Ce n'est pas lui que tu adores. Ce n'est pas Jésus que tu adores. Ce n'est pas Dieu que tu adores. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Si tu ne le savais pas, je t'informe ce matin que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui va te juger. C'est pourquoi il te dit qu'il t'aime encore. Il te dit
On t'a longtemps blagué. Tu t'es laissé tromper, bien-aimé. Maintenant, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Réveille-toi de ton sommeil. Les temps sont en train de finir. Réveille-toi de ton sommeil. Les temps sont en train de finir, bien-aimé. Regarde, le peuple de l'Éternel arrive sur cette nation. Le peuple de l'Éternel arrive sur cette nation. Tu as encore le temps, choisis Jésus. Ma sœur musulmane, tu as encore le temps, accepte Jésus. Mon frère musulman, tu as encore le temps, accepte Jésus. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas du jeu. Acceptez les francs-maçons ici, la terre ivoirienne. Et ils ont accepté les sacrifices humains. Aujourd'hui, ce n'est plus une abomination de voir un cadavre avec des organes disparaître. Ce n'est plus une abomination de voir un cadavre dans les rues. Et de voir le bras parti, le sexe parti, on n'a pas les horreurs de ça. C'est que tu as accepté, bien-aimé.